Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau Colcaise et cette fois-ci c'est à la demande de Monique. Alors, vous me direz, il y a souvent une Monique qui demande quelque chose. Je vous avoue, j'ai plusieurs consultantes qui se nomment Monique et donc c'est pour ça que vous retrouvez ce prénom fréquemment. Toutefois là, Monique nous donne, ou plutôt nous interroge, sur une disparition. Celle de Romain Lanuzel. Romain Lanuzel, c'est un jeune étudiant qui est parti en 2007 pour Barcelone pour ses études. Il a disparu sans finalement laisser aucune trace. Les photos qui figurent toujours sur les avis de recherche ont désormais plus de 15 années. Il s'agit des portraits d'un jeune étudiant français, Romain Lanuzel. Qui allait bientôt fêter ses 20 ans. À l'automne 2007, il a disparu en plein cœur de Barcelone. Sa silhouette s'est comme effacée du paysage de cette grande ville catalane. Et on n'a jamais retrouvé Romain. Les enquêteurs locaux vite rejoints par des gendarmes français, vont avoir du mal à retrouver une trace de ce jeune Breton, inscrit à l'Université de Barcelone. Un garçon amical, spontané, ni dépressif ni enclin à suivre le premier venu au coin de la rue. Et c'est pourtant un inconnu qui de toute évidence l'a emporté. Au fil des investigations, une silhouette va surgir, celle d'un équatorien, qui va se révéler comme un prédateur nocturne, violent en série, et qui sélectionne ses proies, les photographie, et parfois les laisse mourir. Chaque 13 novembre, anniversaire de la disparition, les parents de Romain voyagent jusqu'à Barcelone, afin que l'affaire Romain-Lanusel ne soit pas oubliée, et dans l'espoir qu'un possible témoignage Puisse ressurgir. Pourtant, rien. Rien n'arrive à transparaître, rien n'arrive à surgir. Alors, pour garder l'espoir, j'ai décidé de traiter cette affaire. C'est vrai qu'il n'y a plus grand-chose à dire. On sait que Romain a disparu, on sait qu'il n'était pas dépressif, on sait très bien que ce n'est pas une fugue. Mais peut-être pourrions-nous les localiser, ou nous pourrions retrouver une trace de Romain. C'est dans ce sens que j'ai accepté de faire cette vidéo, pour essayer de guider les gens qui souhaitent retrouver une piste de Romain. Et puis il y a toujours cette possibilité qu'un témoignage arrive il y a toujours une chaîne d'entraide sur la chaîne voyance le but n'est pas que faire des voyances pour faire de la voyance le but aussi est d'aider ceux qui s'intéressent aux affaires et en tout premier lieu aux, aux familles mais aussi à des témoins de l'ombre qui ne souhaitent peut-être pas se divulguer d'une seule fois ou, ou qui ont peut-être peur de mal à mal agir en donnant des indications, en, est, en se disant peut-être je me trompe. Et puis en voyant une vidéo, finalement se disent oui j'ai bien vu cela. Vous voyez c'est dans un but d'entraide. Cette chaîne existe pour aider. Aussi, là encore, essayons d'aider cette famille. Essayons peut-être avec un support, eh bien, de retrouver un fil, une idée, un témoignage, un lieu. C'est en cela que nous allons essayer de, de voir avec l'oracle de Béline les indications que l'on peut obtenir. Je vous donne donc rendez-vous tout de suite pour la partie tirage. Bien sûr, on ne va pas se demander ce qui est arrivé. Nous le savons. Nous le savons, Romain a disparu. Mais ce que je vais essayer de voir, c'est où peut-on reprendre l'enquête, où peut-on trouver une piste. Et pour cela, je vais donc interroger l'oracle en posant une question très simple au départ. Où se trouve le corps de romain quelle carte représente l'endroit où se trouve le corps de romain si vous remarquez je tourne ma phrase dans le sens je ne dis pas qu'il est décédé qu'il est vivant bien sûr on se doute de la finalité mais si vous voulez ce n'est pas pour c'est pour justement ne pas influencer l'oracle ne pas dire une chose nous n'en avons pas la certitude à 100% même si nous avons de très gros doutes, bien sûr, il faut entendre cela, mais en utilisant un mot neutre, on permet, de, on permet à l'oracle de mieux s'exprimer. Et vous voyez, nous avons la carte de la maladie. Nous y voyons un oiseau qui en sert un batracien. Et c'est une carte lunaire. Alors quand je vois cette carte et au moment où je l'ai vue, euh, le premier endroit qui m'est venu en tête, c'est un hôpital. Un lieu où il y a eu un hôpital, où il y a peut-être encore un hôpital. L'endroit se trouverait là où on pourrait retrouver quelque chose du corps de Romain. Ça ne dit pas... Si dans... Alors je vais prendre des mots horribles, hein, mais je ne dis pas que c'est dans une morgue, je ne dis pas que c'est enterré, je ne sais pas. Tout ce que je perçois ici avec la carte, c'est qu'il faudrait chercher, je serai enquêteur, j'irai chercher dans un hôpital. La question suivante, elle en découle. Où se trouve cet hôpital Est-il à Barcelone Est-il dans une ville limitrophe je ne connais pas Barcelone mais peut-être y a-t-il plusieurs hôpitaux. Nous avons la carte de solaire, cette carte c'est pensée amitié. On y voit un chien et on y voit une pensée, une fleur. Avec cette carte j'aurais tendance à dire que c'est dans un hôpital de Barcelone à cause de la fidélité à cause du chien. Mais la proximité, j'aurais presque tendance à dire, il doit y avoir un élevage canin non loin. Un parterre de fleurs, mais ça c'est souvent dans les hôpitaux. Mais un élevage canin, il ne doit pas en avoir partout. En tout cas, vis-à-vis -vis de l'hôpital où il faudrait chercher, ce ne serait pas très loin. Attention toutefois. Je ne dis pas que l'hôpital est encore en fonction. C'est peut-être un ancien hôpital, vous voyez, ou une ancienne clinique qui a été abandonnée. Ou un hôpital qui est toujours en activité. La carte ici ne m'en dit pas plus. Si ce n'est... Pour, pour moi, il est toujours en, en fonction, cet hôpital. Je le ressens comme ça. Peut-être une mauvaise idée, mais je le ressens ainsi. Rien ne le prouve dans la carte, hein, je vous le dis par honnêteté. À partir de là, on peut se poser des questions. Un corps, finalement, c'est vrai, c'est plus facile à faire disparaître dans un hôpital parmi d'autres corps. Ce n'est pas si ridicule que cela d'y penser. Sachant qu'il peut très bien être aussi enterré dans un endroit de l'hôpital, peut-être dans un mur, je ne sais quoi. Vous voyez, j'imagine tout. Mais puisque le corps semble se trouver encore depuis 2007, ce qui fait quand même 17 ans, dans l'hôpital, je pourrais demander quelle carte représente le lieu dans l'hôpital où nous pourrions trouver le corps de Romain. Je fais très attention à, à la formulation, je ne veux pas qu'elle soit trop dure. Hein. Alors vous voyez, il est dehors. Nous avons le, le vent ici qui souffle. C'est un lieu extérieur. En réalité, il n'est pas dans l'hôpital, proprement dit. Mais il est sur le terrain de l'hôpital. Ce qui permet un petit peu mieux de comprendre. Bien sûr, le corps n'a pas été mis dans, dans un mur. Vous voyez, euh, il n'est pas à la morgue. Tout le monde s'en serait aperçu depuis le temps. Et il n'est pas caché dans une pièce. Tout ça, c'est logique. Là, on a l'impression qu'effectivement, et on comprend mieux pourquoi cette carte pensée amitié, en fait, il se trouve dehors. Je n'avais pas fait attention au message. La carte inconstance nous montre bien au vent. Ça nous décrit bien une situation à l'extérieur. Donc j'aurais tendance à dire sur le côté de l'hôpital le plus venteux, mais aussi où il y a un parterre de fleurs. Ça réduit quand même de beaucoup les investigations. Et on peut se demander aussi, finalement, si les enquêteurs ont fait un bon choix de la piste de cet équatorien. Je pense qu'ils l'ont fait avec des bases solides, mais quelle carte représente la justesse de la piste des enquêteurs avec cet équatorien. Nous avons la carte bonheur. La carte bonheur, bien sûr, on ne doit pas se réjouir d'un décès, hein, ce n'est pas dans le sens là, mais c'est par rapport à la piste, la piste est la bonne. La carte bonheur qui est couronnée, c'est le couronnement du succès, c'est la bonne piste. Les enquêteurs sont sur la bonne piste, il n'y a aucun doute là-dessus. Une carte jupitérienne montre simplement qu'ils doivent encore la poursuivre. Mais ils ne se trompent pas de piste. Et ça, c'est très important parce qu'il n'y aurait rien de plus difficile que de comprendre qu'ils font fausse route. Simplement maintenant, pour eux, ils ont besoin de preuves. Ils ont besoin d'éléments tangibles. Ce qu'on peut essayer de voir maintenant, c'est comment va évoluer l'enquête. Si l'enquête va finalement trouver des éléments ou pas. Je sais, 17 ans après, ça semble loin. Pas impossible, bien sûr. Rien n'est impossible. Mais ça semble tellement loin. Toutefois, vous voyez, avec des éléments comme on a pu trouver, ça permet de resserrer un petit peu les taux. De trouver des pistes. De savoir où regarder. Comment va évoluer l'enquête sur l'affaire Romain Lanuzel Je souhaite tout simplement voir s'il y a des conseils à donner, ce qui va aller contre l'enquête. Théoriquement, on ne peut se dire rien, en tout cas pas de pouvoir politique. En tout cas, vous voyez, cette enquête, il y a quelque chose qui cloche. Ils sont sur la bonne piste, mais on a l'impression que, euh, que cet équatorien les manipule. C'est souvent le cas dans des psychopathes, dans, euh, sur des personnes qui sont ultra-agressives, psychopathes qui ont un profil psychologique lourd, on sent l'agressivité et on sent presque un malin plaisir de cette personne à, à mentir tout le temps. Donc le début de l'enquête le voici. Je vous rappelle que le début de l'enquête, il remonte quand même à quelques années. Hein. Ce qui va aller contre l'enquête. Je suis bien embêté parce que paradoxalement, on reçoit que c'est la famille qui va contre l'enquête. Pour quelles raisons Il n'y en a aucune. Est-ce que c'est par l'insistance, est-ce que par rapport à des pistes qu'évoquerait la famille, sans le vouloir bien sûr, la famille n'est en rien responsable je, je vous avoue que je ne m'explique pas trop la carte. Pour moi la seule explication serait que la famille, par besoin de savoir, viendrait interférer involontairement à l'enquête. Nous sommes dans le futur, nous verrons bien ce qui se passe mais la famille serait un ennui attention ce n'est pas la famille qui empêchera le coupable d'être arrêté hein. mais la famille viendrait ralentir l'enquête. Encore une fois je le dis avec des pincettes parce que il arrive parfois que les familles regardent les vidéos et je ne veux surtout pas les blâmer de quoi que ce soit simplement je fais attention, j'essaie d'interpréter la carte au mieux et, et pour moi le, le rôle de la famille, eh bien, devrait, entre guillemets, bien sûr, parce qu'on comprend les émotions, hein, mais devrait être plus en retrait. C'est ainsi que je l'interprète. Le conseil pour les enquêteurs et pour cette enquête, ce serait de faire table rase. Visiblement, ils ont loupé quelque chose. Alors, c'est intéressant parce qu'ils sont sur la bonne piste, vis-à-vis -vis de la personne, en tout cas. Mais il me semble qu'il y a des éléments qu'ils ont dû oublier. Peut-être qu'ils ne les ont pas vus, hein, tout simplement. En tout cas, l'oracle semble dire qu'il faut tout reprendre à zéro. Alors, malgré le temps de l'incertitude, la carte de l'eau, c'est une carte d'incertitude. Hein. Euh, c'est une carte émotionnelle, mais surtout d'incertitude, on ne sait pas. On oh, ne sait pas bien où on va. Et c'est vrai, l'enquête ne sait pas bien de quoi sera fait demain. Ils vont trouver. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils trouveront. Ils trouveront parce qu'ils sont déterminés à rechercher. Ça fait longtemps, c'est vrai. Mais il me semble qu'il y a une enquêtrice aussi qui, euh, qui porte ses investigations là-dessus. Je pense qu'elle sera d'une aide précieuse pour trouver. Mais en tout cas cette enquête trouvera un dénouement et un dénouement qui permettra si l'on peut dire ainsi à la famille de de faire une part du deuil en tout cas. Voilà Monique et voilà chers amis ce que je peux dire sur cette triste affaire. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau cold case.